Hello tout le monde, alors aujourd'hui une séance spéciale cuisse, donc vous aurez besoin juste de votre tapis mais on va l'utiliser pour la partie au sol, donc en deuxième partie. Là on va commencer par un échauffement, commencer par des exercices debout et ensuite on va passer au sol. Allez, c'est parti. Une grande inspiration, étirez-vous, grandissez-vous et relâchez, écartez bien les jambes, les genoux sont souples, on s'étire et on relâche, dernière fois. Grandissez et relâchez. Ok, on va commencer par des pommes de pied directement. On va surtout échauffer le bas du corps. On viendra pour un peu plus de dynamique. Gardez bien le dos droit. Inspirez, soufflez. Encore. 4. 3. 2. On fait pareil sur les côtés. On y va, ici, et on plie un petit peu les genoux, on s'accompagne des bras, on peut contracter les abdos et les fessiers, encore, 4, 3, 2, derrière, même chose, et encore, on continue, 4, 3, 2 et 1, reviens devant et encore 4, 3, 2 sur les côtés, on y va, on continue 4, 3, 2 arrière et reste deux séries encore, on passe devant. Et un. Côté. Quatre. Trois. Deux. Arrière. Et. Encore. Inspirez, soufflez bien par la bouche. Mouvement des bras, accentuez. Quatre. Trois. Deux, dernière, devant, on y va. Encore. Quatre. Trois. Deux. Sur les côtés. On y va. Et. On penche le buste de chaque côté. Quatre. Trois. Deux. Et. Derrière, penche le buste devant. Encore. On continue. 4. 3. 2. 1. Côté, ici. Et on reste dans l'ambiance. Encore. 4. 3. 2. On va augmenter le cardio. Petit saut, et là, là. On termine l'échauffement. Ajoute les bras. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2 et 1, marchez. Étirement actif, talon devant, on descend, jambe tendue pour la jambe étirée, jambe d'appui légèrement pliée, on pousse les fessiers en arrière, le dos droit, on ramène la pointe de pied et on étire, on remonte, talon fesse, cherchez l'équilibre, genou souple, dos droit, on rentre le bassin. On ramène genou le plus haut possible. Toujours fixer un point pour l'équilibre. On écarte vers l'extérieur. Maintiens la position.
croise. Attends, les bras, on descend les fessiers vers l'arrière. Et on relâche. On change. Talon. On descend dos droit, fessiers en arrière. On ne pose pas la main sur le genou, mais sur la cuisse. 4, 3, 2. On remonte. Talon fesse. Genou plié, bassin rentré, dos droit. Genou. Le plus haut possible. 4, 3, 2, on écarte. Maintiens la position. 4, 3, 2, on croise. On descend. Maintiens. 4, 3, 2, relâche. Écarte les jambes. Grande inspiration, étirez. Grandissez-vous. Relâchez. Deuxième fois. Et troisième. On relâche. On enlève et on marche. Échauffement terminé. On passe au renforcement musculaire. Des cuisses, premier exercice. On écarte les jambes. Les genoux sont légèrement pliés. Pointe de pied devant, côté, devant, côté. N'oubliez pas de bien plier la jambe d'appui. On peut mettre les mains sur les côtés. Pointe devant, pointe côté. On reste dans le rythme, uniquement la jambe qui bouge. On reste, ne bouge pas. Et encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Attention, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 4, 3, allez, courage, 2, et 1, marchez, relâche la jambe, on va passer à l'autre, 4, 3, 2, et 1, position, jambe large au bassin, genou plié. Devant, pointe, on y va, côté, devant, côté, devant, encore, on continue, encore, on se rappelle, le reste du corps ne bouge pas, 4, 3, 2, on accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Encore. On continue. Encore une série. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. 2, 2, on y va. 1, 2, 1, 2. Encore. Inspirez, soufflez. Oubliez la douleur. Encore. 4, 3, 2 et 1. Marchez. Ok, ça c'était le premier exercice. J'espère que ça va toujours. On lâche les jambes. Talons devant. Relâchez bien. Ok, deuxième exercice. Montez de genoux. Même position que tout à l'heure. Les jambes larges au bassin. Les genoux légèrement pliés. On garde le buste droit. On peut mettre les mains sur les côtés. Talons devant. Genoux. Talons. Genoux. On cède avec ses abdos aussi. Je souffle à la montée. Je pose bien le talon au sol. On continue encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
On accélère, c'est parti. Et dynamique. On continue, encore. Et encore. 4, 3, 2, 3 petits en haut. 1, 2, 3, je pose. 1, 2, 3, et encore. Courage, et 1, 2, 3, 1, 2, 3, allez. Encore. 4, 3, 2, on reste parti, et je maintiens. Soufflez. On essaie de garder alignement au bassin. Encore. 4, 3, 2, je relâche. Marchez. On n'a choisi que les cuisses aujourd'hui, mais on va les sentir. Hein. Allez, courage. J'espère que vous transpirez quand même. On va changer de jambe. 4. Position. 3. 2. Et 1. On y va. Je monte. Je pose. Je souffle à la montée. Encore. Allez, on met la musique dans la tête. On oublie la douleur. On reste tempo. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. J'accélère. Et. Encore. On continue. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 3 petits. 1, 2, 3. Je pose. Encore. Et. Allez. 1, 2, 3. Posez. Tout de suite, tout de suite. Encore. Courage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, statique, maintien, et, allez, allez, encore, 4, 3, 2, et 1, marchez. Prochain exercice. Élévation, jambes tendues. Même position. Genoux pliés. Dos droit. On serre les fessiers. Bassin rentré. Buste droit. Main sur les côtés. Ok. Talon devant. On garde la jambe tendue. On lève. On pose. Encore. On continue. Jambes tendues au maximum. On pose le talon au sol pour garder le pied flex. Encore. On souffle à la montée. On essaie de garder le dos droit le plus que possible. Aidez-vous de vos abdos. On accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Statique, maintien. Dans la jambe. Le plus haut possible. Encore. Attention, on se prépare pour les petits battements. Sans toucher le sol. 4, 3, 2, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Relâche, marchez. On passe à l'autre jambe. Relâchez bien. Caressez. Tapez. Massez. 4, 3, 2,
position, genou plié, bassin rentré, fessier serré, l'autre droit, à peu contracté. Allons devant, 4, 3, 2, et 1. On y va. Je lève, je pousse. Je souffle à la montée, encore. On continue. Encore. On accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas fini. Encore. Allez. Statique, maintien. Sans tendu, le plus haut possible. Encore. Petit battement, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marchez. Soulagez. Extérieur. Élévation latérale. Même position. Jambes largeur, bassin. Genou fléchi. Bassin rentré. Fessier serré. Juste droit. Abdos contractés. Main ici. Et je flex. Côté. Reviens. Souffle à la montée. Encore. Uniquement la jambe qui bouge. Pas la peine de monter jusqu'en haut. Encore. On accélère. Et. Fixez un point pour l'équilibre. Et si vous pouvez tenir. Quelque part, allez-y. Encore. Deux, deux. Et un, deux, un, deux. Si, 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 si. Encore. Courage. Huit. Aïe, aïe, aïe. Sept. 6, 5, 4, 3, 2, et 1. Marchez et l'autre jambe. 4, 3, 2, et 1. Position. Genou plié. À sa rentrée. Fessier serré de droit. Main sur les hanches, on se prépare, réflexe, jambes tendues, 4, 3, 2, on ralentit, et je lève, je pose. Souffle à la montée, encore, on continue. Courage. On accélère. Encore, encore. Fixez un point pour l'équilibre. On ne lâche pas.
J'espère que ça va toujours. Nous n'avons pas fini. Maintenant, nous allons récupérer le tapis et passer au sol. On y va. Tapis, jambes tendues, les mains en arrière, le buste droit, ok, élévation de la jambe, toujours pour les cuisses bien évidemment, ici, et je pose, ok, c'est parti, 1, 2, contractez les abdos pour vous aider, on va garder le dos le plus droit que possible, pieds flex, souffle à la montée, on continue. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Je reste assis en haut. Maintien. Hop. Allez. Et je pose. On soulage. On reprend la même jambe. 1, 2, on y va. Et je lève, je pose. Encore. Encore. 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2 et 1. Relâche. Secoue. On change de jambe. En position. 4. 3. 2. 1. Pied flex, c'est parti. Et je lève, je pose. Encore. Soufflez bien à la montée. Encore. Encore 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et je maintiens statique. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je pose. Je secoue, je soulève. Deuxième série. Même jambe. En position. 4, 3, 2, on y va. Et 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, encore, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1, relâche, surtout, toujours le buste droit. Point de pied au sol. Ouverture, fermeture. On y va. Les genoux en direction du sol. J'ouvre, je ferme. On travaille l'intérieur des cuisses.
Encore. On continue. Encore. On continue. On souffle quand on ferme les jambes. On continue. Encore. On reste en ouverture. Et... Encore. On se prépare à faire des petits battements vers le sol. 4, 3, 2, et hop, reviens. Hop. On continue. Encore. 4, 3, 2, et 1. Et ferme et relâche. Sur le dos. Genoux relevés. Les genoux sous le bassin. Ouverture des jambes et fermeture. On garde les pieds en pointe de pied. Les genoux pliés. Le dos bien plaqué au sol. Toujours travail intérieur des cuisses. On continue. Je souffle quand je ferme. J'inspire quand j'ouvre. On continue. On va sentir encore plus la contraction au niveau des abdos. C'est normal, nos jambes sont relevées. Mais on se concentre sur l'intérieur de nos cuisses afin que le travail soit bien effectué. On continue. On accélère délicatement. Et encore. Courage. Encore, encore. C'est pas fini. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et 1. On reste en haut fermé. On ouvre. On reste. Petit battement vers le bas. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dernière série. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 8, je ferme, je ramène vers la poitrine et je soulage mes abdos. On tend les jambes. Et flex. On met un peu de jambes ici. Et on va faire. On ouvre. On ferme. On continue. Et... Attention au dos, le dos bien plaqué au sol. Je sais, les abdos sont en train de jouer. Mais on se concentre sur nos jambes.
pied flex, ouverture jusqu'en bas le plus bas possible et on remonte. Encore. Dernier exercice, courage. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Je referme et je ramène vers la poitrine. Je soulage et je relâche l'ensemble du corps. On reste allongé sur le dos, genoux vers la poitrine. Les genoux légèrement vers l'extérieur. On relâche le dos, les jambes. On reprend sa respiration normale. On place les mains à l'intérieur de nos genoux. On écarte le plus que possible en direction du sol. De façon à bien étirer nos adducteurs, l'intérieur de nos cuisses. On reste encore comme ça. On referme délicatement. On tend les jambes, pieds flex. Les mains toujours à l'intérieur de nos genoux et on écarte le plus que possible. Toujours en pied flex et on maintient la position. Encore un peu. 4, 3, 2 et 1. On referme délicatement. Aidez-vous de vos mains, rapprochez, repliez et relâchez sur le ventre. Enveloppez à l'aide des mains les genoux légèrement vers l'extérieur. Basculez l'ensemble du corps sur un côté. Tendez les jambes, allongez-vous tout en restant sur le côté. Placez les bras sous la tête, posez la tête dessus, allongez-vous bien sur le côté, pliez la jambe d'en dessous et levez l'autre jambe vers le plafond. Attrapez à l'aide de la main si possible, soit la pointe de pied, soit le mollet et on tire de façon à tendre la jambe le plus que possible. On plie le genou et on ramène le talon vers le fessier. On relâche, on tend la jambe devant, on laisse glisser, monter le plus haut possible en gardant le pied flex. Et en maintenant la position ici, tendez la jambe au maximum. Et relâchez doucement, ramenez. Pliez. Ramenez au niveau du bassin. Basculez sur le dos, puis basculez de l'autre côté. Un peu tout à l'heure, la tête posée sur le bras allongé, la jambe de dessous pliée, bien allongée sur le côté. On décolle la jambe tendue,
On essaie d'attraper la pointe de pied ou le mollet. On tend la jambe le plus que possible. On maintient la position. On plie. On ramène talon vers le fessier. De façon étirée, la cuisse avant, quadriceps. On relâche. On tend devant. On laisse glisser. Monter le plus haut possible. Pied flex, jambes tendues au maximum. On ramène doucement, on relâche la jambe. On ramène les genoux à la ligne du bassin. On prend appui sur les deux mains pour redresser le haut du corps. Et passer en position assise. Jambes tendues devant. Le plus que possible. Le dos bien droit, main assise sur les fessiers. Pointe de pied relevée vers le plafond. On prend une grande inspiration. On s'étire, on se grandit et on relâche. On va chercher le plus loin possible et on maintient la position. On essaie de garder un dos droit et sortir la tête des épaules. On relâche doucement. On va ramener une jambe, talon vers le fessier si possible. Maintenir la position. On écarte tant qu'on peut. Et là, on laisse glisser le haut du corps. La tête en direction du genou. Et on maintient la position. On se redresse doucement. On bascule en arrière si possible. Alors la première option, c'est poser les mains. Bras tendus le plus loin possible. Deuxième option, on pose les coudes au sol. De façon à tirer la cuisse de la jambe pliée. Troisième option, uniquement pour celles et ceux qui peuvent, on pose le dos au sol. Et on maintient la position. On remonte délicatement en posant les coudes. Puis les mains. Et on relâche la jambe délicatement. On reprend une grande inspiration, on s'étire, on se grandit. Et on relâche. On va chercher le plus loin possible. On relâche. On change de jambe, pliée à l'arrière. On éloigne le plus que possible. On est bien assis sur un pied droit, bien assis sur les fessiers. En laissant le buste en direction de la jambe tendue et du genou. La tête en direction du genou. Et je tire. Et je reviens doucement. Première option, les mains au sol. Deuxième option, les coudes au sol. Troisième option, l'ensemble du corps. Et je remonte doucement en main sur les coudes, puis sur les mains
et je relâche la jambe. Je reprends une grande inspiration et je relâche, je pose les mains sur un côté, je bascule les jambes, je me mets en position. Mains au sol, genoux au sol. Je pose mes fessiers sur les talons, je tends les bras devant, je rentre la tête à l'intérieur et je relâche le bas du corps. Je tire bien sur mes bras. Je ramène les mains près des genoux, je redresse le haut du corps. Je décolle mes fessiers, je tends une jambe devant. Je pose le pied, j'avance mon buste devant. Et je maintiens la position. Si le talon se décolle du sol, c'est pas grave. Tout dépend de la souplesse de chacun. Je reviens. Je descends mes fessiers en direction du talon et je tends la jambe devant. Ici. Il attrape la pointe de pied. Je reviens doucement. Je reste ici. Je pose mon bras sur ma cuisse. Et là, j'essaie de décoller le pied du sol pour étirer encore une fois ma cuisse. Si j'ai mal au genou, je relâche immédiatement. Et je repose délicatement. Je ramène la jambe. Et je change. Pied devant. Je me redresse. J'avance mon bassin. Et je maintiens. Je me redresse. Je descends. Les fessiers en direction du sol. Je prends la jambe devant. Talon. Et j'appuie. Je reviens doucement. Je me redresse. Je pose mon bras. Je lève. J'attrape si possible. Et je relâche. Doucement. Je ramène la jambe. Mes deux mains sont au sol, pointe de pied au sol, je me redresse. Position accroupie. Je m'agrandis. Et je me lève doucement. J'écarte les jambes, je finis par un étirement global. Et je relâche. Je prends une grande inspiration par le nez. Je souffle par la bouche. Encore. Étirez. Côté. Côté et relâchez. Dernière fois, grande inspiration. Grandissez-vous, étirez et soufflez, relâchez. On remonte doucement. On relâche les épaules. Et voilà, le cours est terminé.